Il n'y avait pas de parc, hein, c'était une usine. Là se trouvaient les entreprises visées. Tu as encore un nom de margarine à Solo, je crois, sur le pignon qui est là. Donc il y avait ici une usine Bizet. Bizet, c'était un producteur d'huile et graisse. Mais il fabriquait de la margarine et de la graisse pour bagnole. J'espère que je ne te trompais pas trop souvent, mais voilà. Et donc c'était une usine industrielle, Bizet. Il y a une rue Bizet, hein, un peu plus haut. Hein. Et ici, nous sommes à l'entrée, donc dans les quartiers, ça devait être... Là, on va arriver à l'impasse de la planète, anciennement l'impasse de la planète. Comme souvent, en porte de ville, tu as une série d'impasses. Ça veut dire que les gens... Les propriétaires spéculaient sur leur terrain pour que les travailleurs puissent trouver à se loger avant de rentrer travailler dans la ville. Donc les impasses aux portes des villes est extraordinairement fréquent. Hein? C'est bien cette peinture. Vous êtes quoi, vous, archéologue, vous êtes... Non, je suis, je m'appelle Guido. J'ai fondé la fonderie, si tu vois, aussi à Molenbeek. Qui était un centre spécialisé dans l'histoire industrielle, l'histoire sociale. Tu vois ? Et j'ai commencé à découvrir.